Alors, bienvenue les amis sur ma chaîne. Charlotte Gardner, porte et aujourd'hui sur la suite un petit peu du... La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier, vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais... Je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Alors, je vous explique le truc. Je vais aller quand même dans la zone où il y a, mais là, je vais débloquer, en réalité, un point de contrôle CityOS. Alors, beaucoup de débutants ou de personnes qui connaissent pas vraiment le jeu diront que... Alors, je vais juste vérifier si je suis pas dans une zone qui m'intéresserait. Non. Ok, je suis pas là. Disait que, bah évidemment, il y avait beaucoup de gardes morts, CityOS, des choses comme ça. Donc, en gros, là, si vous, je me balade dans la zone, je ne peux pas pirater, prendre de l'argent, récupérer des musiques, prendre des voitures, sans débloquer ce centre. Vous pouvez très bien... Non, il y avait une belle voiture, là, juste là. Soit y aller méthode Bourrinos, I am Bourrinos, et détruire tout, ou alors aller en mode un peu plus caché et tranquille. Je vais vous expliquer un tout petit peu les deux choses. Bon, d'abord on va commencer, on va se permettre d'aller là. Voilà, là je suis donc, c'est une mission principale. Hein. Leur alors, sécurité va être dure à passer. Alors je sais pas si vous... J'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille. Alors, vous allez voir, là, je sais pas si vous voyez, mais toutes les personnes qui sont là, je ne peux pas pirater. Je peux pas voir leur... Je peux pas pirater leur compte en banque, je peux pas faire ça. Alors, je vais faire la méthode Bourrinos. La méthode Bourrinos, c'est beaucoup de personnes ont dit... Ah voilà, là, je peux par exemple peut-être pirater. Ah, je sais pas, vous voyez, la musique. Donc, je récupère une musique. Oh bah, je sais pas pourquoi je peux pirater une voiture. C'est marqué, hein, il y a l'icône voiture. Mais normalement pour la plupart des gens vous pouvez pas voir leurs informations. Alors vous voyez qu'il y a un garde. Je vais faire méthode Bourrinos. Et après je vais faire une méthode beaucoup plus tranquille, vous allez voir. Donc là j'y vais, hein, donc là j'ai ouvert la porte. Je sors là, vous voyez il m'a repéré, hein, le garde. Je vais sortir mon arme. Voilà. Je vais viser et je vais tuer. Voilà, le chose est là, je vais me faire repérer, hein, je vais voir. Voilà, là il y a un mec, il va me repérer, hein, je vais faire semblant de ne pas me repérer. Voilà, il va me repérer, il va me repérer. Voilà, il est là, il m'a repéré. Il va appeler des renforts et on va devoir tirer comme furieux. Donc ça va être assez dur parce qu'il va falloir se mettre en cover, chose comme ça. Le truc le plus chiant, donc... je vais pas m'amuser à faire ça. Donc évidemment vous pouvez tuer les gardes, mais évidemment c'est pas le but. Et on vous poussera pas à faire ça dans le jeu. Je vais vous montrer maintenant d'autres techniques. Alors je suis désolé si je suis désagréable et choses comme ça. Donc on repart, donc, toujours pareil. On va ouvrir la porte. Mais je vais pas besoin de ça, je vais pirater la caméra. Je sais pas si vous voyez, il y a une caméra qui est là. Je vais pirater la caméra qui est là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Je vais pirater la caméra qui est là. Et je vais pirater ce type. Je sais pas si vous voyez. J'ai localisé le garde qui garde l'accès au serveur. Donc je vais faire ça. Et je vais aller sur la prochaine caméra. Je sais pas si vous voyez. Il y a une sorte de caméra ici. Donc on va essayer d'y aller. Porte une caméra cachée. On va faire ça. Et vous voyez que je peux presque. Alors on va essayer de la tirer. Non, je peux pas. Donc on va revenir en arrière. On va prendre la caméra qui est là. On va aller ici. On va aller ici. Est-ce que je peux la voir? Non, je peux pas la voir. Je vais essayer de revoir si je peux me récupérer via une autre caméra. Alors, il y a la grue là. Alors là, la grue, par exemple, je pourrais tuer les deux ennemis. Je vais... Bah tiens, je vais le recommencer après. Hein. Regardez, regardez, hop. Bing. Bon, bref, hein, c'est tout con. Avec votre caméra, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez avoir plein de choses différentes. Je vais... Je sais pas, je vais aller vers lui. Alors, est-ce qu'il va bouger? Non, il peut pas. Il bouge pas.
Souvent, il peut y avoir même une caméra qui est en face de l'endroit où je piratais. Je sais pas si vous voyez, là vers 84 mètres, il y aurait normalement une caméra qui serait dans la zone et qui pourrait être piratée. Alors, est-ce que je peux aller dans cette caméra? Voilà, non, je peux pas. Donc, il va falloir y aller. Vous avez compris que même si vous n'avez pas envie de tuer des personnes, vous pouvez le faire. Chose comme ça, je vais refaire le truc. Donc là, je vais me complexifier la chose, ça veut dire que je vais pas pirater tout de suite les données. J'aurais pu y aller en mode furtif sans tuer d'autres personnes. Hop, on va y aller. Donc il y a plein de façons de jouer. Si vous tuez les gardes, vous rameutez la flicaille et les autres, bah, c'est évidemment votre problème. Alors, ok, j'y vais. Bon, j'ai été un peu ramené, bon, je m'en fiche. Comme ça. Donc là je vais plutôt aller en mode blaireau furtif et essayer d'avoir ça. Vous voyez un backstage. Leur sécurité va être dure à passer. Donc j'explique, le CTOS est à courte portée, ça veut dire que je peux pirater à courte portée, mais si je m'éloigne de cette zone là, la voix de l'appel téléphonique. Vous voyez que par exemple je ne peux pas pirater ici. Alors que ici si je me rapproche, je peux pirater, je sais pas si vous voyez. Là je peux pirater et je peux voir les messages SMS. Donc la différence elle est là. Et donc là je vais en gros libérer, on va essayer de vous montrer quand même sur ça, la map là, la zone qui est ici là, cette grande zone, je vais pouvoir pirater tout le monde à longue portée. Bon allez hop, on y va, hop. Je vais déverrouiller. Vous connaissez maintenant le principe. Bon maintenant je vais ouvrir la porte, je vais me mettre à cover. Là il y a un garde, donc je vais essayer d'aller de couverture en couverture. Ok, alors là il faut peut-être que je me bouge. Voilà, hop, là il va me repérer, mais je vais y aller suffisamment discrètement pour... Hop, purée, non, voilà. Voilà, et là, hop. Voilà, donc vous voyez que je gagne d'argent. Et en plus je gagne plus d'argent qu'en étant bourrinos. Je vais neutraliser celui-là. Je peux le distraire évidemment, mais ce que je fais c'est que je... évidemment ça, et vous voyez que ma barre d'XP augmente largement. Ok, maintenant je vais repartir vers là. Donc là je vais me faire repérer, mais je vais aller très vite hein. Vous voyez que la barre se remplit pas complètement, donc là il y en a un autre aussi qui va me repérer, mais c'est pas grave. Donc là je sais pas, on va voir. Est-ce que je peux faire un piratage diversion? Ben voilà, je vais faire une diversion. Donc voilà, yo cousin, j'ai un blème. Donc ça c'est plutôt bien vivant, c'est comme un peu tout le monde qui a un portable. Et voilà, vous pouvez faire diversion sur une chose. Alors je vais vous montrer maintenant ce que je peux faire. Hop, je vais déclencher l'alarme. Donc ça va attirer forcément le mec qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais appuyer sur l'alarme. Vous voyez le mec qui s'approche. Je vais. Voilà. Ouais. Identifiez-vous. Donc là, je vais, voilà, je vais faire, hop, et voilà, bing, 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 hop. Pensez à ramasser les armes, ça vous évitera de les acheter. Vous appuyez sur votre touche et vous pouvez voir ça. Donc là, j'ai clean quasiment le rez-de-chaussée. Vous pouviez faire exploser pour tuer le garde. Vous pouviez aussi utiliser le monte-charge pour passer en mode blaireau furtif. Donc, je vais vous montrer, hop. Mais là il faut peut-être que je me bouge. Non c'est pas ça. C'est quoi le son? Non c'est pas ça. Bah mince alors je sais plus comment faire pour sauter. Alors là je vais être mal si je peux plus sauter. Contourner. Bon attends hein. Monter. C'est monter. Ah c'est B. Voilà. Et là vous voyez, hop, j'appuie sur l'élévateur et hop. Voilà. Donc là je suis hop ici. J'ai mes caméras. Je me mets... mince, mais pourquoi je peux pas mettre en couverture? Ah ouais, c'est ça que je veux. Oh purée, mais non, c'est pas ça que je veux. Oh, il y a un mec là. Alors lui, il est dangereux parce qu'il peut appeler des renforts. Je vais utiliser la caméra qui est là. Je vais utiliser... je vais éliminer mes deux ennemis. Alors attends, est-ce que je peux le faire? Ouais, je vais m'amuser, je vais éliminer les deux ennemis pour juste récupérer les points. Est-ce que la grue, je peux la pirater? Ouais, voilà, hop. Voilà, hop. Voilà, j'ai pas tué, j'ai pas tiré, j'ai juste causé un accident. Vous voyez souvent aussi qu'il y a des choses qui sont cachées, genre des objets. Je vais aller d'une couverture à une autre. Je vais récupérer, bon, je suis au maximum. Donc, voilà. Voilà. Là, je vais aller vers l'autre couverture.
Voilà. Alors mon garde que je dois pirater, il est ici. Il est juste derrière le pylône. Donc là, je vais d'abord m'occuper de celui qui peut appeler des témoins. Oh purée, oh purée. Ouf. Ouf, j'ai eu chaud là. J'ai failli faire avec un miss chose un jump. Je vais prendre sa son arme comme toujours. Ça va me stuff. Et voilà. Donc, on est parti, on est toujours à avoir fait alors deux morts parce qu'ils sont pris un chose, mais bon, j'ai pas vraiment tué, j'ai pas tiré sur les personnes, j'ai pas fait le fou furieux, j'ai pas appelé la chose. Alors, on va faire non, je vais laisser la diversion. Je vais faire la diversion. Bon, vous voyez les stats, hein, ils ont tous quelque chose à raconter. Donc je vais m'occuper de lui en premier. Voilà. Je vais pirater son téléphone, puisque c'est ça, celui qui m'intéressait. Donc j'ai les codes, comme tout à l'heure. Je vais attendre que mon pote revienne en faisant une petite diversion. Voilà, je vais faire une diversion. Et voilà, hop. Alors vous pouvez faire aussi exploser les gardes. Voilà, bon là vous voyez que j'ai éliminé les deux gardes Zozo qui étaient là. Ils étaient là. Moi j'arrivais pas à les éliminer. Puis là quand j'ai fait la vidéo j'ai réfléchi et j'ai trouvé ça. Donc vous voyez qu'il y a plein de façons d'éliminer les gardes. Vous n'êtes pas obligé de tirer comme un fou et d'être... alors voyons voir. Il va pas être visé. Ah ouais, ça veut dire que par exemple, je sais pas, j'aurais pu aller jusqu'ici. À tirer, je sais pas si vous voyez. Et vous voyez que j'aurais pu pirater sa caméra pour pirater l'intrusion. Je sais pas si vous voyez. Donc là ça aurait été GG quoi, le truc. Voilà, alors après je vais revenir en arrière, hein, je vais l'éliminer. Mais vous voyez le truc, ça déconne, c'est tout. Donc ça c'est, il y a plein de moyens pour éviter les combats et pour faire les full fight. Là vous avez vu un moyen très simple. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, attirer le mec. J'attire le mec en appuyant sur X. Ça c'est pas clair. Je pirate sa caméra et je pirate le système. Voilà, ça c'est plutôt GG. Et j'aurais pu, je répète, faire le truc en perfect. Je l'ai pas fait en perfect, mais j'ai voulu montrer les deux méthodes. Et puis voilà, là je vais le stun assez facilement. Alors l'IA quand même, là c'est vraiment des ennemis simples parce que je sais pas si vous voyez, il y a qu'une barre. Il y a une sorte de 1v. Les ennemis sont de plus en plus armés parce que de plus en plus ils vont défendre les points. Là j'ai éliminé tout le monde, hein. Je sais pas si vous voyez, hein, neutralisation. Alors je pense que j'aurais pu avoir ça par cette caméra. Alors voyons voir. Eh ouais, j'aurais pu je vais le refaire juste pour par plaisir, juste pour vous montrer le truc. Bon, vous avez vu, hein, j'ai éliminé tous les gardes, j'ai fait ça. Donc ouais, vous pouvez aussi faire exploser. Je vais vous montrer, tiens, explosion. Voilà, je vais faire exploser les gens. Je vais juste recommencer la mission. Bah, on va faire un perfect, c'est-à-dire sans tuer une personne. Ah, je me suis fait avoir. Je suis vraiment désolé, les amis. Hein. Mais bon, je voulais vraiment vous montrer le truc. Adam Pierce. Bon, c'est pas intéressant pour moi parce que vous avez compris que on gagne beaucoup plus d'XP. Alors, on va refaire. Hein. Donc, désolé. Mais non, vous connaissez. Je déverrouille. Je vais pirater la caméra qui est ici en face. Allez, vous la caméra. Hop, voilà. Je vais en face. Je pirate cette caméra là. Hop. La caméra qui est là. Hop. Là. La caméra qui est ici. C'est là où je vais avoir mon code. Il est où le code? Le code il est. Non, je vais pas faire exploser parce que ça je suis gentil. Faire exploser, il est où ce con? La caméra doit être là. Carrément, ouais. Voilà, là celui qui a le code il est ici, donc je pirate. Je ressors ici. Voilà, je vais aller vers la caméra. Oui, alors là je peux pas, c'est lui qui va me servir à pirater. Hein. Je vais là, je repars ici, dans la caméra que je vous ai montré. Je fais un zoom avec la caméra. J'attire le mec. Je pirate sa caméra. Il va aller vers l'objectif que je dois pirater. Et voilà. Et là je suis sur autre chose. Alors là c'est pas très dur. Alors je dédique à cette séquence à tous les PGM et les gens qui font des coups d'œil, des
grandes strates et des grands tests pour dire oh c'est impossible, j'y arrive pas, je tue tout le monde, c'est affreux, je m'ennuie. Alors je vais dire une chose, je serai jamais faire un rollout sur Team Fortress 2, mais je suis quand même, la prochaine fois utilise un peu moins ta testostérone mon gars et un peu plus ton cerveau, tu verras que ça change la vie. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que beaucoup comprendront. Donc il faut tourner pour que le flux bleu arrive à débloquer. Donc au départ c'est très simple. Vous voyez, hein, je tourne avec le bouton X. Je tourne. Je débloque ça. Et je débloque le suivant. Rien de bien compliqué. Alors là, attention, quand je vais appuyer ici, ça va faire un système d'alerte. Donc vaut mieux d'abord bien configurer les trucs pour que ce soit ça. Et vous avez ça, donc hein, voilà. Et c'est parti, vous voyez que je peux débloquer et je débloque le serveur. Alors là c'est le truc très fort, c'est que CTOS espionne les gens dans ces machines. Et c'est là où je reviens au hacker donneur d'alerte. Vous allez voir, là je vais pirater le truc. Et vous allez voir les gens dans leur vie privée. Alors on va deviner des formes, mais vous allez voir, c'est très très hot des fois, hein. Vous appréciez hein, le tueur. Chouchou, c'est toi. C'était quoi ce truc? Notre piratage. Carrément chez quelqu'un. Il pirate chez les gens. Avec le CTOS fouine dans les vies privées. Pensez à Facebook. Maintenant, pourquoi DedSec déteste le CTOS? Là, il observe les étoiles, mais il regarde surtout les gens. Il observe les personnes et pirate. Donc voilà, ça pourrait être une chose. Donc c'est très très intéressant. Hein. Vous voyez que là j'ai piraté celle-là. J'ai piraté, je crois. Est-ce que j'ai piraté celle-là? Je vais voir. On va voir. Je sais pas. Hein. Je vous montre vraiment pour que vous compreniez. Virtual Glasses. Remote Control. Ouais ouais ok. Il essaye de contrôler un drone. Bon vous voyez hein, c'est très 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 sympa. Oh il observe le petit couillon en train de faire sa douche. Oh le petit vicieux. Donc voilà, bon vous avez compris que vous pouvez apprendre plein de choses intéressantes. Est-ce qu'il y a notre caméra? Si il y avait notre caméra, je pourrais pirater la caméra et aller espionner d'autres choses. Bon là je vais déverrouiller la zone et vous allez voir ce qui va se passer. Nous y voilà. Et là, je suis connecté. Je peux voir tout. T'es dans le CTOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone. Je crois que ça pourra m'être utile. Okay, garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Donc là, il va falloir que je trouve Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. Là, il va y avoir l'ouverture au piratage en ligne. Ça va être vraiment cette zone-là. Alors, maintenant, je vais vous faire la deuxième partie de la vidéo. Juste faire une chose. Vous avez compris que j'ai pas piraté un truc, je suis pas rentré, il y a tous les gardes. Je pourrais rester à ça, je quitte la zone, tranquille. J'ai pas tué une personne. Donc voilà. Donc, c'est quoi ton problème? Voilà, il y a un moment faut être crédible dans la vie. Hein. Moi je. Voilà, quoi. C'est un jeu qui. Oh, y a une musique à récupérer là. Ouais, vous voyez que je peux pirater tout le monde maintenant. Même les gens qui sont très loin. Donc voilà, je sais pas, l'avant je pouvais pas pirater ces gens qui attendaient le bus là, on va voir si je peux pirater. Bah vous voyez, je vois les informations, des choses comme ça. Donc vraiment, vraiment, les personnes qui disent, mais moi j'y arriverai pas, voilà. Et vous voyez que j'ai fini et que j'ai réussi à pirater. Accès district débloqué, donc je peux pirater n'importe qui. Je sais pas de quoi vous parlez, arrête de mentir pétasse. Je ferme la conversation. Voilà. Bon voilà, je peux pirater tout le monde. Bon, je vais avoir sans doute un appel, je vais pas aller là-bas. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé
signé un deal très lucratif. Donc je vais pas revenir, je vais pas revenir sur ça. Je vais juste revenir sur ça. Donc vous voyez qu'il y a plein d'activités qui sont débloquées. Il y a des choses qui sont comme ça. Et puis vous avez les systèmes, les antennes, les tours CTOS qui sont là. Alors là c'était les serveurs. Donc ça veut dire que vous pouviez rien pirater. Vous voyez, vous étiez dans le noir total. Il faudra obligatoirement pour chaque secteur de la ville le débloquer. Alors attends, je vais vous le montrer quand même parce que. Là par exemple vous voyez Brown Docks non connecté, donc il va falloir que je pirate le centre CTOS qui est ici, le système CTOS, et donc qui débloque le district. Pareil ici, les wards. Alors c'est plus ou moins difficile hein. Là par exemple vous avez une tour. Les tours en gros, alors ça pourrait être l'équivalent des nids d'aigle, mais ce n'est pas la même chose. C'est à dire qu'il ne suffit pas d'aller sur la tour, monter en haut et faire ça, il faut pirater et il faut trouver le système. Donc je vais aller vers ce système là et je vais terminer mon truc. Un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper vu que Maurice c'est ton problème, mais c'est pas mon style. Je finis tout. Ici la police, quelle est votre urgence? Non, faites pas ça! Allez hop, donc je vais prendre la voiture. Non, s'il vous plaît. Souvent ce genre de personnes. Voilà, mais j'ai pas envie d'aller là. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé. Alors désolé si... Je demande. Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. C'est un peu du spoil de la suite, mais... Pas t'embêter non plus. Vous verrez, ça c'était ok. Ce soir... Faut faire quoi? Bon, exactement. J'ai blessé, je suis con. Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Alors, on va essayer de trouver ça. Vous voyez qu'il y a une antenne. Alors, on peut pas, souvent, on ne peut pas y accéder. Il va falloir utiliser les caméras, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je vous ai montré deux fois comment on pouvait s'en sortir en faisant ça. Alors là, maintenant, il va falloir chercher ça. Bon, il y a un crime détecté ou un contrat de fixeur. Je vais pas l'accepter. Alors maintenant, vous voyez que la tour est ici. D'accord. Il va falloir trouver des caméras et trouver un endroit pour y aller. Bon, bah, c'est pas bien difficile. Vous voyez qu'un élévateur. Donc, je vais utiliser cet élévateur. Je vais d'abord monter dessus. Je vais utiliser l'évélateur. Oh, voilà. Voilà. Ensuite. Alors c'est pas comme. C'est là où je m'insurge contre les personnes qui ont dit ça. C'est pas comme Assassin's Creed, hein. Il ne suffit pas de queue de monter. Il y a de la réflexion, c'est-à-dire, Assassin's Creed, vous montiez en haut d'une église, d'un point culminant, et puis c'était débloqué. Non là il faut réfléchir. Là je vais utiliser mon appareil. Alors. Il faut désactiver cette porte. Je sais pas si vous voyez, elle est rouge là. Il va falloir trouver l'endroit où elle va être débloquée. Je vais pirater donc une caméra. Hop. Est-ce qu'il y a une caméra au loin? Une caméra ici. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je vais appuyer sur ça et la porte qui était rouge, on va la remontrer, hein, elle va devenir verte. Donc vraiment, c'est fun. C'est-à-dire il faut un peu. Il y a des fois où ça vous fera vraiment réfléchir, quoi. Je pense que lors de mon live je vais vous montrer ça. Et vous voyez, vous allez voir la porte qui va s'ouvrir. Vous voyez hein, elle est ouverte. Hop. Donc la première porte est faite. La deuxième porte, vous voyez qu'elle est toujours rouge. Alors je pourrais la faire en mode bourrinos, en faisant exploser le truc. Je vais la faire, parce que je suis gentil. Je vais la faire en mode Zadoom. Voilà, vous la déverrouillez et vous avez la porte qui s'ouvre. Est-ce que vous voyez la chose? Je vais faire la mode Bourinos pour faire dédicace, pour dire oh, c'est impossible, j'arrive pas à ce jeu, je suis obligé de tuer tout le monde. Je sais, hein, je suis énervé, hein, mais quand il y a des choses qui m'énervent, je pense que... Bon, vous voyez, hein, méthode Zadoum, méthode Bourinos. Toi comprendre. Allez, on y va, monter. Là, je vais couper le son parce que... J'ai pas envie. Alors la dernière fois j'ai eu un signalement de YouTube parce que j'avais eu 2 secondes. Et vous voyez que je suis sur ma tour. Donc oui, à ce moment quand je vais pirater la tour, il va y avoir un truc à la Assassin's Creed. Mais le parallèle reste là. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait ça, il a fallu ouvrir et débloquer 2 choses avec les caméras, avec un système, analyser la situation. Des fois il faudra faire des jumps.
Bon voilà, c'est très sympa, hein, je le dis. Il y a plein de trucs comme ça à faire. Donc là je pirate et j'ouvre. Donc là j'ai fait cette vidéo qui vraiment vous montrait comment hacker le système SCTOS et qui est vraiment indispensable. Vous allez voir la zone qui va s'illuminer et vous allez voir toutes les activités disponibles, les jeux, les mini-jeux, les choses comme ça, les planques. Tiens, ben, je vais aller à une planque, tiens, on va faire ça. Et j'ai un point de compétence, donc je vais ouvrir ma point de compétence et vous voyez que vous pouvez débloquer des points de compétence. Voilà, bon, bref, il y a des mini points de compétence, hein, vous voyez, progression. C'est des points de compétence qui n'ont aucun rapport avec l'histoire, qui sont des bonus. Donc ça c'est sympa, c'est en faisant des choses, voilà. Contenu district débloqué, vous voyez que district est complètement débloqué, que je vois complètement la zone. Et donc ça c'est important si vous, bon, vous voyez qu'il ne faut pas que je saute trop haut, hein, parce que là par exemple si je sautais ici, je serais mort. Hein. Est-ce qu'il y a un crime? Oui, il y a un crime détecté, mais j'ai pas envie de le faire. Vous voyez que là, je suis quasiment mort. Donc là, si je saute, je meurs. Ah non, je meurs pas. Donc, le crime, j'ai pas envie de le faire. Je vais juste vous montrer autre dernière chose. Donc, pour chaque zone, vous pouvez débloquer. Oh, c'est tentant de faire le crime, mais... Non, ma vidéo va être trop longue. Vous devez débloquer donc des systèmes CTOS, les antennes, hein, les tours CTOS. Mais aussi donc les systèmes. Je vais aller à ma planque. Alors ma planque c'est pas trop dur. Vous cliquez deux fois sur ça et vous allez aller directement dans une planque. Alors les planques vous les choisissez pas. C'est souvent des taudis, ça peut être des choses bien cachées. Vous voyez là je suis dans ma planque. Alors je vais rentrer à l'intérieur. Vous voyez que c'est une sorte de container caché. Et vous pouvez vous y reposer. Donc là par exemple je vais pirater un enregistrement audio. Au début j'étais bluffé par la vision de l'eau, comme vous j'imagine. C'est quelqu'un qui travaille sur cette OS. L'amélioration des conditions de vie grâce à l'hyperconnectivité, blablabla. Facebook, Twitter. Et c'est vrai, plus ou moins l'idée. Parmi les dirigeants, il y a de vrais visionnaires qui croient en l'humanitaire. Bloom contribue à l'éducation des défavorisés et s'engage à réduire son empreinte écologique. Il sponsorise des programmes sociaux, la recherche médicale. Alors oui, tout ça c'est vrai. Mais vous savez à quel bureau je suis assise là? À celui de ce putain de Raymond Kenny. Forcément ça réveille. Vous avez compris que vous avez plein d'enregistrements audio, vous voyez quand même le style, hein, la classe quand même des choses quoi, c'est vraiment le côté un peu hacker, bon vous pouvez changer votre apparence. Je vais prendre DeadSec, ouais voilà, la version DeadSec. Comme ça, choisir ce style. Voilà. Vous voyez le style que vous pouviez avoir en faisant ça. Pas top. J'aimerais bien l'agent des brumes, ouais, voilà, on va prendre ça. Voilà, celle-là elle a la classe quand même. Hein. J'espère que ça vous fait plaisir de voir ça. J'espère, voilà, moi ce que je veux c'est que mes viewers. Alors on peut rester dans une chose et par exemple attendre, là il est 5h. On va aller à 8h. Se reposer. Voilà, je vais vous montrer juste la sortie de mon réveil. J'espère vous montrer la réalité. Ce que j'aime, ce qui m'a fait plaisir. J'ai peut-être été long. Mais voilà, pour moi c'était très très important. Voilà, j'espère que vous avez vu que Watch Dogs, si vous aimez les GTA, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Je vais sortir dehors. Vous voyez, bon voilà, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû laisser à 8h du. C'est 8h du mat. Ah ouais, c'est 8h du mat. Bon bah les amis, j'espère que ça vous a plu. Il y aura encore du Watch Dogs parce que j'aime ce jeu et je considère que c'est un bon GTA like. Chers les amis, laissez-moi vos commentaires, vos remarques. Et n'oubliez pas, vous êtes surveillés et faites attention à vos données. Ciao, ciao.